cheval à pony. Ok, c'est toi le chef, on ira à pony. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. C'est sur cette petite note triste que je vous dis bienvenue sur la partie 2 du Let's Play de Watch Dogs PlayStation PC. Voilà, c'est New Meta, c'est une nouvelle console. C'est toi-même, tu sais. Bienvenue les gars, c'est pour la partie la deuxième partie de ce let's play. Ah, c'est parti, on va faire la suite. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. À demain des nouveaux prêts professionnels. Vas-y, je suis ici. Très bien. Donc là, question de sortie de notre plan, utiliser le profiler et passer à un... C'était un crime potentiel. Collectionneur d'autographes des célébrités. MDR. MDR. Bon les gars, bienvenue aujourd'hui. Ah. Tu vois très bien comment elle fait. Il faudrait quand même que je remercie le CTOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Oh, il est tellement sympa. Merci si tu es ça. Je sais pas. C'est une vraie teigne. J'en ai marre qu'elle fasse jamais ce que je dis. Je crois que je l'ai un peu trop gâtée. Eh, elle a que 7 ans. Oh, viens pas me faire la leçon, toi aussi. J'ai pas besoin de ça. Déjà que le gouvernement nous donne des leçons de morale toute la journée, qu'il nous explique comment élever nos gamins. Ok, alors il faut que je trouve un criminel, d'après ce que j'ai compris. Bah, scream potentiel trouvé. T'énerve pas, réfléchis. Ouais, ouais, ça c'est. Ce mec a l'air violent. Ouais, ça pue. Il faut pas le laisser sans chance. Je m'en doutais que ça pue. Allez, go! Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Voilà. Il est dans cette zone. D'accord. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Laissez le professeur faire son travail. Bah oui, hein. Autant se la couler douce. Ouvre l'œil, Pierce. Tu vas revoir, non ? Il doit être tout proche. J'ai une bite énorme ! Cette chaîne ? C'est toi qui m'as demandé. Ouais, mais t'es ma sœur quand même. NDR ! Il a une bite énorme ! Il est dans le coin. C'est sûr, je le sens. C'est n'importe quoi, il doit être défoncé. Hey ! On peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi, tu comprends? C'est fini, fais-toi une raison. C'est tout faux, c'est pas terminé. Tu dois l'arrêter maintenant. Je vais crier. Tu vas voir, oh. Dégage. J'aurais pu me faire tuer. Mais bouge de là, Poufane! Oh là là, mais quelle est conne. Allez, je te nique ta race, toi. Allez. Allez.
Beau gosse autoproclamé, merde. On mettra plus personne. Beau gosse autoproclamé. Et non. Bon, on a atteint un nouveau point de compétence, non pas du tout. Ah, message Skype, c'est bon. Ah, c'est parti. On est à la musique, hein. Bon, c'est quoi la... Bon, écoutez, je reviens tout de suite. Re ! Ben, décidément, il n'y a jamais un seul épisode qui va se passer correctement. Hein. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un appel. Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es ? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion ? Tu préfères passer par un concessionnaire ? C'est pas faux. Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va ? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies. Et très cher. NDR. Donc tu paies, il reste en vie. Bon allez, let's go. Oui, blablabla, j'ai deviné. Hop, on va à l'anniversaire de Nikki. Allez, c'est parti. Désolé si le son est trop fort par rapport à mon micro. Je me suis aperçu. J'essaierai de régler le problème. Ça le refait. Ouais. J'essaierai de régler le problème au troisième épisode. Mais là, j'avais vraiment envie de tourner le deuxième épisode. Et puis ce jeu, je l'ai déjà fini deux fois. Plusieurs membres du Chicago South Club ont été arrêtés après une descente de police dans un bar de Brandon Docks. Aucun nom ne nous a été communiqué, mais les comités de surveillance reprochent déjà à la police de ne pas avoir arrêté le chef présumé du groupe mafieux, Dermot Lucky Queen. Tu crois qu'il parle de l'autre côté, MDR ? Ah, qu'est-ce que je conduis bien, hein ? Le mec qui s'envoie de flirt. Jouer les grands frères. Je suis pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt ? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Putain, le mec, il est obligé de toujours se rappeler d'elle. C'est pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va à l'anniversaire, on va faire une taf. T'as quel âge aujourd'hui ? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et... Arrête, maman. 3, 4, 5, non. 6, maman. 7, 8, 10. 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Oh là là, qu'est-ce que je suis meilleur ? Coucou. Ok, donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais, désolé Nikki, vraiment. Approche. Eh ben décidément, c'est soirée mignon quoi, les gars. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux ? T'as pris un coup de vieux. Ah là là ! Sympa. Je le connais par cœur, le dialogue, c'est fou. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda ? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. Comme ma... C'est pas facile, mais elle progresse. Jackson ? Jackson. Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin ? Oh.
T'es... grand. Comme ma... Pardon, excuse-moi. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je peux parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, Bonin. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. On aura beau dire ce qu'on veut, qu'on n'aime pas les petits frères, d'avoir un frère ou d'avoir une sœur, mais quand on est grand, comme genre quand on est adulte, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. J'étais là, c'était pour l'anniversaire de Lena. Jackson l'adorait. T'as fini de parler de Lena, ta race? T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type, là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi, la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante? J'ai bien résisté. J'aurais dû le faire plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. MDR. Tu te souviens quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bon appétit! Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Très bien. Je vous montre un petit easter egg, les gars. Regardez à quoi il joue sur sa tablette. Ah, vraiment? Il joue à Shading Light ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom du jeu. Créé par Ubisoft. C'est un petit easter egg. Bon, qui est à l'appareil? Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Oh, un numéro masqué. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. Je sais où tu vis. Je crois vraiment que tes serrures sont solides. Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? Chanteuse lyrique amateur. Oh, je savais pas ça. Ok. C'était qui ça? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. C'est pas la petite sœur. Super, la petite sœur, sympa. Faut mieux que j'y aille. C'est une bonne idée. Merci. C'est toujours plus, toujours plus sympa. Bon. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. Allez, on va s'amuser un petit peu. Ah, te voilà. C'est les nouveaux téléphones de 2004. De 2000. Merde. Il est en mouvement. Nouveau téléphone de 2015 plutôt. Comment je conduis comme lui, Peter? On menace ma famille, encore une fois. C'est pas moi. Je vais le neutraliser, t'inquiète pas, va. Allez, meurs. T'as ta queue. Ouais. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Comme un papier cadeau? Vraiment non. Dingue des fois. Uh-huh. Reviens, d'accord? Je resterai calme, promis. Aiden?
T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça? Bingo! Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi? Écoute, je t'entends mal, là, t'es pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Oh. Le mec... Putain, t'es sérieux, la voiture s'arrête pile devant lui comme par hasard, quoi. Allez. Putain, j'ai pas le City West. T'as la course poursuite de ouf. Oh, il a tué un civil, le bâtard. Allez. Sa voiture elle fume. Oh le beau drift, oh le beau drift, oh le beau drift. T'étais très très con toi. J'ai besoin d'accéder au CTOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le CTOS une fois dans le Loop... Moi? Je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre CTOS dans le Loop. Ça tombe bien. DedSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Ouais. Bon, c'est bon. La mission est terminée. Vu que je sais que vous aimez bien ce jeu, ce que je vais faire la mission suivante. On s'arrêtera après la mission suivante. On montrera là, on montera l'arbre plus tard. Surveiller les centres CTOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Et moi aussi. Et moi aussi. Bon, on va devoir aller acheter une arme si je me trompe pas. On va devoir acheter une arme pour pouvoir aller dans le CTOS, essayer de pirater le système CTOS tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va faire cette mission. On va faire cette mission et c'est tout. Non! Eh merde. Non, j'ai blessé personne, si j'ai blessé personne. Bon, allez. Donc du coup là on va devoir aller chercher une arme. Comme je viens d'expliquer il y a 30 secondes. Oh là là, ce drift. Oh mais t'avances du coup. Il y a des gens un peu cons comme ça. Et là, une de mes missions préférées, enfin des missions vraiment que je kiffe, c'est les missions d'infiltration comme ça. C'est vraiment les missions que j'adore ça. Là, c'était pas trop. Si le CTOS renforce la sécurité,
Je dois renforcer mon armement. Ok, donc acheter un fusil. Alors. Belle journée, pas vrai? Alors, fusil 416, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous faut exactement? Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, ces gardiens de la paix... Ces gardiens de la paix, blablabla. Père devenu mercenaire. Certains ont un casier. Vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur vie. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants du Canada. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. J'y crois pas comme c'est... Oula, voilà. Voilà, c'est cette mission. Je vais devoir infiltrer. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Oh ! Qu'est-ce que... Ok, alors là, ce qu'on va faire, tout ce qu'on va commencer à faire, c'est pas repérer tous les gardes. Une fois tous les gardes repérés, bien sûr, il y en a beaucoup à l'intérieur. Donc, une fois tous les gardes repérés, on va essayer de voir. Voilà, comme lui, par exemple, on peut lui faire une diversion. Et pendant qu'il fait une diversion, on peut le tuer, etc. Donc là, il y a une caméra à l'intérieur. On va repérer, comme je disais, tous les gardes. Même tous ceux qui sont à l'intérieur, avec tous les caméras, tous les réseaux caméras, etc. Et une fois, on peut prendre entrée. Ah pardon pour le micro, désolé. Une fois, on pourra rentrer dans le site OS sans aucun problème en lui tuant un par un. Ok. Excusez-moi monsieur, bonjour, vous aurez pas une cigarette? S'il vous plaît. Une cigarette? Non, merci. Ok, c'est passé crème. Ok, tout est bon. Ah, ce mec là-bas, je n'avais pas vu. Fonce. Le mec, tu aurais eu tout le monde. T'es mort. Je fasse gaffe, il y a des mecs en haut. Je vais tuer celui du fond là. Ça m'inspire pas confiance. Monsieur. Ok, la discrétion avant tout. Faut pas rage comme un gros bâtard. Oh putain, c'est pas vrai. Avoir de mes nouvelles. Ok, faut tout faire discrètement, tout. Ok. Il faut le trouver. Toi, tu passes, t'es mort. J'ai prévenu, hein.
tout faire silencieux. J'ai le code d'accès. D'ailleurs, on va fouiller un peu les alentours là. J'ai vu qu'il y a des trucs qui brillaient là. Composants électroniques, blablabla. Voilà. Et là, on va pirater le site OS. Alors, bon, ouais, là, c'est les trucs simples pour vous montrer comment ça marche. Blablabla. Voilà. Voilà, on est dans le site OS. On a déverrouillé le site OS. C'est bon. Connecté. Quoi? T'es dans le site OS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Ah oui, c'est le truc du multi, mais je peux pas le faire, ça. Ok. Je peux pas le faire. Je bouge. J'ai fait pas mal de bruit, là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Ok, nice. On va se casser d'ici. On se casse d'ici. C'est bon. Bon, mais voilà, donc ça c'était le deuxième épisode du Let's Play de Watch Dogs. Alors attendez, c'est un appel là. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce frère, toi, tu vas t'en occuper vu que Maurice c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Ok, ok, c'est bon. La puissance de persuasion. Non, mais il faudrait pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Pour faire quoi, exactement? Une livraison, escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client, elle prie fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Bon voilà, c'était la fin de ce let's play, enfin de ce let's play, de l'épisode 2 du let's play de Watch Dogs. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour l'épisode 3. Bien entendu, il vous sera. Enfin, j'essaierai de le tourner dans la semaine, etc. Putain, je bafouille beaucoup. En même temps, vu l'heure à laquelle je tourne. Donc voilà, donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Allez, salut, ciao, bye bye. Ah, je conduis vachement bien en fait.